Mais oui, mais quand le farm est agréable, ça donne forcément envie de farmer. Ça aurait pu être pire si tu changeais de jeu à ce moment-là. Eh non! Mais du coup, hello les gens, bienvenue sur frappstage.fr ou sur mon blog tisson3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Record. Donc un jeu PC qui m'a été offert par personne puisque j'utilise le Xbox Game Pass. Enfin, un peu par l'ensemble entre vous, puisque de toute façon j'utilise un peu l'argent des dons pour payer le Xbox Game Pass. C'est donc parti pour un tour, nous devions activer le pylône pour terminer le donjon. Je crois. Donc on va aller voir. Et attention mesdames et messieurs. Que va-t-il se passer? Cinématique, pas cinématique. Donc si je comprends bien, c'est un pylône de terraformation. Non? Tout est ok. Le pylône fonctionne à nouveau. Et si on sortait contempler notre œuvre? De quoi derrière moi? Mais il y a toujours ce truc là-bas là que j'ai pas encore ouvert. Mais je vais y aller moi. Il me reste que ça à faire ici. Ça c'est quoi? Non, c'était une porte qu'il fallait ouvrir, centre d'orbe. Là, ils me disent qu'on peut aller plus loin, mais j'ai pas pu monter. Donc il faudra que je revienne. Bon bah je reviendrai plus tard pour voir s'il y a un truc ici à récupérer. Ça c'est fait, ça c'est fait. Tu penses ? Alors. D'accord. Comment marchent ces plateaux de transfert déjà ? Très bien. Choisir un plateau de transfert sur la carte pour pouvoir s'y rendre. Trouver d'autres plateaux pour améliorer le maillage. C'est bon. Victor, ah, je peux lui parler? Violette, je suis pressée. Voilà. Ah oui, je commence à en avoir une petite masse quand même. Pratique, pratique. Faut que j'arrête de manger des cacahuètes. Mais j'en ai envie. On reviendra quand on aura débloqué la compétence qui nous permet de monter au machin. Attention, que va-t-il se passer? Allons-nous avoir une tempête de sable? Va-t-il se passer quelque chose d'horrible? Bassin de solitude. On l'a pas vu ce machin. Je suis en train de me demander comment ça fonctionne du coup un machin qui permet d'avoir un double saut. Un double saut qui ne se déclenche que lorsqu'on est retombé au sol. C'est hop, je peux sauter, faire un double saut. Mais ensuite je peux pas refaire un double saut tant que j'ai pas touché le sol. Qu'est-ce qui m'empêche de faire un triple saut, un quadruple saut, un ça? Comment le sol peut recharger le double saut en fait? On a pas besoin d'explication, on s'en fout, mais... Regarde, la tempête a déplacé tout un tas de sable. C'est bizarre. J'ai le signal d'une ancienne balise d'urgence de l'autre côté de la porte. Il devait être bloqué par la tempête. Viens, Mac. On va aller voir ça.
Ah. Ah. Ceux qui s'éveillent doivent mourir. Allez. Qui sont ces bestioles? Tu m'as tout l'air extrêmement corrompu, toi. Possible. On va savoir. C'est vrai que c'est pas bête. OAD a l'air pas mal, c'est un nouveau RTS descendant de Age of Empires. OAD, j'en ai pas entendu parler. OAD, OAD. T'as le nom complet? Ou c'est juste OAD? Le monde d'Alter Eden. La tempête de sable qui a eu lieu vient de modifier votre environnement. Vous pouvez désormais vous aventurer hors des sentiers battus. Rendez-vous dans des donjons cachés, où de féroces ennemis gardent de précieux trésors. Accumulez plans, expériences, matériaux et orbes en terrassant les orbes des robots orbeaux renégats. Améliorez vos compétences sont établies dans l'explorateur de Joule. Mac, la zone grouille d'orbot renégats. Avant d'aller plus loin, rentrons à l'explorateur. J'améliorerai ta structure. Ressources. 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 Ce qui est grand. Mais en fait, j'étais déjà arrivé par là, ça n'a pas déplacé tant de sable que ça. C'est juste qu'avant, on n'y voyait rien en arrivant ici. J'avais pas déjà cassé tout ça. Ça me surprend que j'ai... Ah non, mais je pouvais plus tirer à ce moment-là, c'est pour ça que je pouvais plus tirer, voilà. Parce que je me disais, c'est pas possible que j'ai laissé autant de cases vivantes. C'est bon? On y va. Bonjour, je te parle, toi. On y va, Violette. L'explorateur. Pylum 512. Il y a un truc par là-bas, apparemment. Là, ça mène à cet endroit-là. Là, il y a un truc à explorer, peut-être par ici aussi. Et nous, il faudrait qu'apparemment qu'on aille par ici. Ce qui nous mènerait peut-être à une sortie ici, et qui nous permettrait d'aller par là-bas. En fait, tout ça, c'est le monde en entier. Ou il y a l'autre monde après. Pardon. Je vais me déplacer, excuse-moi. Alors, transport rapide et je veux aller à mon vaisseau, s'il te plaît. Oui, je veux. Ah, j'avais pas vu qu'elle avait un petit foulard. Ou qui avait un petit foulard, je sais pas. C'est un robot, donc on dit pas une robot. Merci, Adrien. Ouais, ouais. On va voir ce qu'on peut améliorer. S'il y a des trucs cool ou pas. Un petit peu d'eau ne ferait pas de mal. Allez, on va t'équiper, Mac. Effectivement, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui t'arrive, mon grand? Pourquoi t'aboies? Des nouveaux messages? Non. Mon truc de cryogénisation. Où est la bouffe dans tout ça? Alors, établi, on y va. Alors, attendez, ça, ça fait 5, 6, 8. Donc le blanc est plus intéressant. Huit, cinq, treize. Il me manque un truc.
7, 10, 13, 5, 6, 8, 13, 5, 10. Peut-être plus se préparer pour l'attaque quand même. Alors déjà, c'est le lac, ça vient pas de chez moi apparemment. Mais il est possible que ça vienne de Restream ou d'un autre système. Le blanc pour farm de l'XP. Tu dis que ça rapporte plus de... Ah, gain d'XP. Effectivement, on va prendre ça du coup. Tadam. Tadam. Gain d'XP, santé max. 13. Et voilà le travail. Et voilà, il ne reste plus qu'à changer la tête maintenant et ce sera bon. Maintenant, fusion d'orbe, peut-être rajouter un petit peu plus, non? On laisse comme ça. Max atteint, max atteint. Ah, j'ai plus assez. On va accepter. C'est bien, mon chien. Bon, revenons à ce signal de détresse. Tu m'étonnes. Où est-ce que j'avais vu? Il y a attaque, défense et énergie. D'accord, Iron. Bon, en fait, j'hésitais à y aller à fond comme ça en chargeant, puisque je me suis dit, si jamais je charge trop, peut-être que ce sera un petit peu trop violent quand même. Tu vois, et du coup, j'aurais plus assez de ressources pour améliorer d'autres choses par la suite. Parce que vu qu'il y a, ça présente qu'il y a plusieurs hors-bots. Tu brilles un peu, toi. Hein. Bon, alors du coup, maintenant, on va où? Ah, mais non, mais là, je suis dans ma base, donc forcément, ça marche pas. Il faut que je ressorte. Tu vas peut-être plus me téléporter ailleurs. Mais vu qu'il y a la sortie était par là, j'ai envie d'aller voir. Ça, c'est intéressant. Si le coup fatal détruit, ça se recharge. Paf, pas besoin d'attendre. Vraiment pas mal pensé ce jeu. J'aime beaucoup. Mais du coup, mettre en quête ne change pas grand chose au final. Ok, bon, ça c'est bon. Il y a des choses que je pense pas toujours pas pouvoir accéder. Auxquelles je ne pense toujours pas pouvoir accéder. Donc on s'en va. J'aurais même dû me téléporter, ça aurait été plus simple. On voit les textures apparaître, certains rochers. Toi là. J'étais cassé. Ça a marché quand même, mon petit coup. C'est bon. Je suis là, j'arrive.
D'accord, intéressant ça par contre, j'avais pas compris que ça pouvait fonctionner comme ça. Prochaine fois, il faudra que j'y pense. On va revenir à l'entrée du bassin, ça va faire bizarre. Parce qu'on a déjà traversé en partie le niveau. Ok, donc si je vois qu'il commence à baisser, il faut que je le rappelle à moi. Merci de tes conseils en tout cas. Ouais, je pense que je vais juste aller voir si je peux faire les petits donjons, effectivement. Alors. Parce qu'il y a d'avoir des choses. Alors des choses aussi de ce côté-là. C'est bizarre de revoir le terrain sans. Ah oui, effectivement, les ressources suivies, on les voit. D'accord. Alors. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a par là-bas. Oh, là-bas, il y a un machin. Et là aussi. L'appel des ressources. Non, viens là. Tombe pas, tu es à moi. Viens. Waouh, c'était limite, hein. Mais ça passe. Tu peux ouvrir. Merci. On croise les doigts. T'as free, t'as tout compris. Niveau 7, wow! Et niveau 8, l'orbe! Bah ça va, c'est cool! J'avais cru voir un machin qui tournait ici, mais en fait... Non, c'est un léger petit reflet sur le... Enfin, un reflet. Une ombre sur le caillou. Tu veux dire que Free s'amuserait à brider YouTube? Ah, je peux toujours pas le casser, ça, je pense. Bah non. Si je te montre de foncer dessus, tu le fais? Non. Donc je ne peux toujours pas casser ça. Est-ce que les éléments... Non. Je veux dire, est-ce que les éléments apparaissent sur le... En même temps, ils repopent à chaque fois. 2016, Ricor. Comment vas-tu, Bérégon? On va voir plus loin par là-bas. Là, y'a rien. Les petites piécettes. J'ai envie de tout explorer. C'est grave, docteur. Sauvez-moi.
Ah, j'ai raté. Schtroumpf. Normalement, il tient droit maintenant. Enfin, il tient droit. Oh, ce framerate. Il y a vraiment des moments où c'est galère. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, ça dépend des lieux. Plus que des FAI, je pense. Est-ce que j'ai eu ça ou pas? Non. Oh là là là! Oh là là, c'est l'heure des ralentissements! Ouais! Il a pas voulu venir, en plus il triche. Feignasse! C'est pas stable du tout leur histoire. Hein. Bah si Twitch permettait à chacun de changer la qualité, il n'y aurait pas de soucis. On se fait attaquer, mais par quoi et par qui, quand, où ça? Et où est donc Ornica? Alors, qu'est-ce que c'est qui nous attaque là? C'est où? Vas-y, dis-moi tout. Je ne vois personne. M'appartient. Merci. Il y en aura un autre? Ouais. Et hop là. Niveau 7. D'être volontaire? Faut que je leur pique leurs âmes. C'est bon? C'est bon. Bah je suis sur console quoi. Je pense pas qu'il y ait un seul fournisseur d'accès qui ne merde pas, mais... Et c'est quoi ça? Ah bah du coup, je vais pas pouvoir y aller, là, je vais me brûler, non? Ouais, je me fais mal pour l'instant, je peux pas aller par là-bas. Je pense que plus tard, on aura un truc pour s'envoler. Et s'envoler... Donc, je ne peux point aller par là, tant pis pour moi. Un autre jour... Là je me dis que la lasing doit moins piquer quand même sur eux. Comme je disais, je pense que la lasing pique moins quand même sur sur PC. Tiens, bonjour toi. Il y a un truc de mort lui. On va se tirer, il est trop solide lui. Et on se barre.
On va éviter de jouer au fifou là. Parce que mourir pour les accords. Enfin, mourir pour les idées d'accord, mais de mort lente. Hein. Il y a un coffre là-bas. Et les coffres sont mes amis. Aouch. Bon, si je comprends bien ce qui vient de se passer, je n'ai pas la possibilité de... Eh oh. Je voulais pas le bousiller. Oh, ça explose ces machins. C'est bon, je peux l'avoir mon coffre? Ah. Ça me fait un peu plus penser à Zelda. Ce qui est pas forcément très malin, parce que Zelda aussi a pris ce genre de choses sur d'autres jeux, j'imagine. Le fait que tu vas y prendre un truc et hop, des ennemis qui apparaissent. Voyons voir là-dedans. Allez hop. Encore de nouveaux objets. Par là-bas, est-ce qu'il y a quelque chose à voir? Il semblerait que ce soit une autre zone. Ça, je dis que je pouvais pas passer, c'est quoi ça? Renforceur, c'est quoi les renforceurs? Et je ne sais pas, et je reste planté là. Ouais, non, c'est un peu vide ici. On va éviter de descendre, on peut se faire mal. Ok Adrien, je suis désolé pour toi, bon courage. Et à la prochaine, tu vois, bisous. Hop, on se bat. Non mais là. Et hop, un de plus. Viens, on s'en va. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a en dessous. Ah mais non, ça mène vers notre niveau. Avant d'essayer d'explorer comme des brutes, on va commencer la continuer la quête principale. Par contre, j'ai envie de voir s'il y a des trucs à faire ici. Ouais, non. Parce que je me suis dit peut-être que je peux monter sur le câble et aller arriver jusqu'en haut. Ça aurait pu être rigolo. D'accord, c'est ça les renforceurs. Ok.
Quoi, c'est allé si vite? Il s'est passé quoi? C'est que j'ai été ultra efficace ou... Surprise, surprise! Bérégon aussi s'en va en fait. Ouais, j'ai pas eu, parce que je crois que tu disais plus pour Adrien. Mais en fait, tout le monde, c'est vrai que c'est logique que ce soit toi qui s'en aille. Qui s'en va. Bonne nuit, Bérégon. À la prochaine et merci beaucoup, et passez, ça fait plaisir. Ah. Pardon. Alors. On va passer en face. Et vous savez quoi? Je suis étrange. Il y a des caisses à casser. Oh, elles sont gentilles, elles apparaissent à chaque fois. Je ne sais pas du tout à quoi va servir l'argent que je récupère à chaque fois là. On y va. Là, il est où? Oh oui. Je sais pas où il est. Oui, toi. Merci beaucoup, Christopher Pot. Bienvenue parmi nous, bienvenue dans ma bulle. Installe-toi confortablement en espérant que tu te sentiras bien ici. Merci beaucoup pour cet abonnement, c'est plaisir. Hop, 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 on va te faire péter les trucs quand on est à côté. Ouais, par contre, le framerate, c'est vraiment pas ça. Hein. Bon, c'est bon, on arrive, voilà. Elle a pêché la ligne à niveau 4 seulement. J'ai pas si mal en fait, mais quand même. Ouais, c'est vraiment pas stable. Hein. Bon courage. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y a plus le sable pour monter ici maintenant. Je fais comment, moi? Ah, il y a un truc ici. Donc, effectivement, il y a bien eu un déplacement de sable. D'accord. C'est vrai que maintenant que j'y pense, on voyait pas le sol, je crois, ici. À droite, dans le trou. Donc, bonne nuit, faites beau rêve. Merci d'être passé encore une fois. À la prochaine, et oui, il y aura une rêve. Normalement, ça enregistre là, les bien. Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression qu'ils sont là à chaque fois. C'est bon? Ça m'en a tout l'air. C'est assez ok. Normalement, j'étais déjà parti par là-bas. Je vais regarder éventuellement si je vois des choses qui me plaisent. Ah, je pense que c'est quand on tue. Si j'arrive à tuer la bestiole, alors que je suis en train d'essayer d'attraper, ça fonctionne bien. C'est que ça récupère directement le... l'élément. Ok. Okidoki. Bon, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme Crackdown, ce jeu. Ouais, ça va, tout c'est bien, je peux tout faire aussi. Et voilà. Un de plus. Et voilà, un deuxième orbe de niveau 6. Je sais pas si ça rapporte vraiment beaucoup beaucoup de ressources de faire comme ça. Y'a rien en dessous. Il n'y a rien en dessous. Ok, bon, on continue. Je vais voir par contre ce qu'il y a au-dessus. Eh, je peux monter? Oui.
Bonjour là-dedans. C'est cool parce qu'on les voit vite, les éléments qui peuvent être destructibles. Ah ah ah. Pardon, je vous avais point vu. Voilà à quoi par là. Nouveau donjon traversé. Pourquoi il y a un gros point d'exclamation plein milieu? Donjon traversé. Ok, donc c'est ça qu'ils appellent un donjon. Un point jaune, c'est quoi? D'accord qu'il y a un point jaune là. Entrepôt des pillages. Condition 4 sur 8, niveau 10, conseillé. Ok, donc peut-être revenir plus tard en fait. C'est quoi ça? Il y a des choses que je comprends pas trop. Il y a aussi des cachets de ravitaillement apparemment que j'aurais oublié ici. Donc ça, ça marque un lieu. Celui-ci n'étant pas activé encore, je peux pas y aller. Mais j'ai pas ramassé grand-chose. Tiens, les creusets, on connaît ça. Donc je sais pas à quoi correspondent les points jaunes. 4 sur 8 et celui-ci 4 sur 4, niveau 5, on peut le faire largement en fait. Isto semble corrompu, comme les Orbots hostiles. Il doit y avoir un sacré truc là-haut. Je vais essayer de retourner là-bas pour voir si je peux essayer d'avoir... Ah, j'en vois un coffre, il est là-haut. Parfait, je sais où il est. Bonne nuit, ouais. Ça, ça, moi aussi, parfait. Oh, ces chutes de framerate. C'est vraiment, vraiment dommage. Par contre, rien ne m'oblige vraiment à m'acharner sur les... comment dire, les... Là, j'arrive pas à retrouver le nom. Si, les caisses. Non. Toi, tu viens, faut que je t'ouvre. Voilà. Je peux ? Bah, bien sûr que tu peux, vas-y, ouvre-nous tout ça. Alors, cachette déverrouillée, implant, arme, aéropode, méduse blanche. Ok, ça c'est bon. J'ai pas l'impression de voir autre chose par là. Par contre, il nous reste une autre caisse de ravitaillement. C'est pas fluide. C'est bon, je devrais l'avoir sans problème. Et hop là, donne-moi ton orbe. Peut-être qu'en fait, il vaudrait mieux que je les tue parce que les orbes, finalement, j'étais en train d'avoir besoin, mais peut-être pas tant que ça. Peut-être que j'aurais plus besoin de ressources. Toi, t'es méchant. Fais mal quand même. Avant qu'il ne retombe. Parfait. Voilà. Salut Christ, comment ça va? Comment tu t'en sors? Hop là, ça c'est bon, récupère. On est ok. Farm, 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 farm. Un peu, ouais. Un peu beaucoup à la folie, passionnément. Il y a un enregistrement pareil. C'est bien qu'ils apparaissent sur la carte. J'aime beaucoup ça. Ça évite de pas se prendre la tête, mais de passer des heures et des heures à chercher. Du coup, je vais quand même essayer de les récupérer.
les caisses de ravitaillement. Alors c'est dommage que je puisse pas les marquer. Ah, ces trucs sont en fait des bombes qui explosent quand elles sont trop proches de nous. Ok, d'accord. Je le saurai pour la prochaine fois. Se méfier des bestioles. En même temps, ça paraît logique, ça, se méfier des bestioles, toujours. Toi, t'es à moi, parce que t'es mon coffre. Et non, c'est mon yup. Bah, je vais bien, je te remercie. On avance, petit à petit. La fatigue chez moi est en train de tomber à nouveau, mais c'est quand même mieux que les jours précédents. Alors, toc toc, ça c'est bon. Il reste encore un coffre apparemment quelque part en dessous. Peut-être par là. Ouais, ah, j'aime qu'un plan se déroule sans accroc. J'espère que je serai pas déçu. Moi non plus. Je veux des chaussures. Ça remonte, nickel. Et le suivant serait plus par là. À première vue. Alors ils l'ont mis où? Il est un peu plus loin par là-bas. Qui serait dessous ici. Non? Plus par là. Là, le bla. C'est vraiment pratique qu'ils apparaissent sur la carte, hein. J'aime bien ça. Comme ça, ça fait une légère chasse au trésor, mais sans non plus que ce soit vraiment une exploration à la barbare où rien ne t'est affiché. Je préfère quand ils mettent une zone ou un élément dans ce style-là, quoi. Au moins, je saprai à quoi m'en tenir. Ça passe. C'est bon, on a tout récupéré. Ah, il y a notre coffre là-bas, il y a notre coffre là-bas. Il est tout seul. On va aller le sauver. Telle est notre mission. Sauvetage de coffre, me voici. Non, non, c'est bon, tu peux rester. C'est-à-dire, je commence à avoir un petit coup de pompe. Bon, comme je vous dis, en ce moment, les lives risquent de durer un peu plus moins longtemps que d'habitude. Parce que je vais essayer de me coucher plus tôt et donc pour avoir le temps quand même de réussir à travailler un peu le matin, je... Allez, tu vas trouver. Non, non, c'est bon, annule tout, reviens. On s'en fout. Il y a notre coffre là-haut, mais je pense que ça peut être chaud à atteindre ce truc-là, là. Il y a une luge en l'air. Il y a plusieurs luges. À mon avis, on peut atteindre ces zones. Mais plus tard. Oh, des pièces! Je les avais pas vues, celles-ci. Oh, c'est chute de framerate. Par contre, il y a vraiment certaines textures qui laissent à désirer, quoi. Peut-être parce qu'elles ne sont pas encore chargées, je ne sais pas. Et voilà. Coucou Vampirien, comment ça va? Voilà, ça pute comme ça. Aïe! Cours, 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 cours. Ah, raté! Ah, si, c'est bon, je l'ai pris quand même. Voilà, ça c'est une bonne technique. Et voilà! Bon, niveau 5, c'est plutôt cool, ça prend pas trop de. Énergie. Ah, ça a dû être long. Faudrait pouvoir des clés de réinstallation. Ou faire, tu sais, dès que t'installes Windows, faire une clé de récup, enfin faire un truc de récup, un DVD de récup, un truc comme ça. Effectivement. Même pas un CD Windows, quoi, c'est un truc Windows récup.
contre, j'avais pas vu qu'on était arrivé à 40 minutes de rediffusion. Ça va vite sur ce jeu. Parce que là, je m'endors un peu, mais j'aime beaucoup. Encore un autre donjon. Ok, donc ça, c'est encore un autre donjon. Niveau 4-4-4. Donc celui-là, on peut le faire, la caverne de la ruée. Apparemment, il y a un renforceur juste devant. On s'étire, ça fait du bien. Ah. Non mais c'est bien là, y a quelqu'un qui me tire dessus alors que je suis en train de... Mais non, c'est de la triche. Il y a 6 renforceurs à trouver. C'est bon. Les orbes bovides renforcent, utilisez un. Ah, niveau supplémentaire. On est niveau 8. Nous allons faire des miracles. Nous allons éliminer chaque personne essayant de passer ici sans notre autorisation. Je sais pas à quoi servent tous ces trucs. Parce que c'est que ça. Ça doit forcément servir à quelque chose. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Ah, des ennemis! Et voilà. Ça, c'est fait. Vous voyez qu'il fallait que je fasse une coupure de rediffusion quand même, moi. Il y a forcément des trucs par là, c'est pas possible qu'il n'y ait rien. Jamais essayé PC Building Simulator. Ah punaise. Ce doublage. Ça sonne fort les ennemis là par ici, non? Vous savez quoi, on va s'éloigner encore un peu. On va faire une coupée de rediffusion ici, je vais en profiter pour aller me servir un paquet de gâteaux, donc elle reste un petit peu longue à relancer. Ah mais c'est ça la fameuse zone où on voyait des trucs au-dessus. J'aurais préféré trouver une meilleure vue qui rend hommage au jeu, mais c'est pas grave. Du coup, c'est parti pour un tour coupé de rediff en espérant que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappestjeux.fr et passez une agréable fin de journée. Allez, prenez soin de vous. Et à ciao tout le monde, du moins à tout de suite, même si ça va pas être tout de suite, parce que le temps que j'aille chercher le paquet à gâteau et que je revienne. Bref, à tout de suite. Pum 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 p